C'est parti pour une petite session de pêche. Pas loin de la maison, on est en vélo. 15 km en vélo. Et on va aller dans les bois, on va voir ce que ça donne. Allez, plus que 10 km. On approche du but. On approche. Bam. Et c'est un crash. Oh la merde, c'est magnifique. Ouais, je me suis quand même fait une petite chute à vélo dans les orties, ça pique. Ben voilà, je suis au bord de l'eau, on boit un petit coup. J'ai pris ma canne de voyage avec. Voilà, ça c'est un petit souvenir du Canada, petite canne de voyage, super pratique. Voilà, petit morceau, là c'est le premier. La suite, c'est là. Bon, je l'ai déjà un peu abîmé, mais ça fonctionne toujours. Voilà, c'est tous les embouts tout petits, mais c'est très pratique. Voilà. J'ai déjà du fil dessus. Il est encore assez long. Ouais. On va se casser la tête. Voilà, ça c'est ma petite poche matérielle. Donc évidemment j'ai pris que le strict minimum. C'est-à-dire une bobine de fil fluoro 23 centièmes si jamais je pète ma ligne et que je dois en refaire une. Et puis j'ai pris une cuillère MEPS 2 Black Flurry, Furry, en taille 2, elle est un peu tordue, mais ça pêche, avec les ardillons écrasés. Alors j'ai une Aglia MEPS 1 et un petit leurre souple sur une tête plombée, ben voilà. Ah ouais, j'ai oublié de dire que j'ai pris une petite pince pour couper avec moi. Ça coupe pas, génial. J'ai pris une pince qui coupe pas. C'est pas magnifique ça. Alors on va descendre, on va aller voir. J'ai eu une montée d'une truite là. Je pense une Fario, mais de taille normale. Ah ouais, c'est une Fario. Oh ouais, la première truite, c'est une petite Fario. Décroché, ah, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Ouh, toute petite Fario. Hop là, il est reparti. Ouais, c'est déjà plus gros. C'est déjà plus gros, mais c'est toujours une petite Fario. La deuxième poisson. Madame, je sais pas descendre. Je vous largue ici. Voilà, c'est fait. Ouais. Oh putain, c'est déjà... oh, c'est beaucoup plus gros ça. Ouh. Une belle Fario. Oh là là. Comment elle se débat? Je sais pas où je vais la sortir, je vais la sortir plus bas. Oh, elle est belle! Putain, quel morceau! Ah, dans mon doigt! Aïe! Regardez-moi cette Fario!
Magnifique. Magnifique. Quelle Fario, dites. Fario de 40. Belle Fario de 40. Vas-y, reprends tes esprits. Vas-y, prends de l'oxygène. Ouais, elle va repartir. Belle truite, hein, franchement. 40. Fario de 40. On dirait un saumon. Elle est là. On la voit encore, elle est là, dans le bouillon. Là. Yes! C'est ça que je voulais, une belle Fario. Fario de 40, bon. C'est pas mon record, c'est 56. Mais franchement, beau morceau, quoi. Allez, il y a encore de l'espoir pour qu'on en prenne d'autres. On va continuer. En tout cas, ici, c'est une belle fosse, hein. Franchement. Deux truites dedans. Ah, décroché. Ah ouais, ça. Bon, je suis de retour, j'ai mis la MEPS 1 Aglia, vu que j'ai plus rien d'autre. L'autre est en face dans l'arbre. Ouais, putain, loupé. Je savais qu'il y en avait une là, c'était obligé quoi. Moi, c'est une Fario, elle est pas très grande. Ouais. Petite Fario. Bon, c'est encore une petite Fario. On va aller la déposer là. Voilà. Oh là là, mon pied. C'est de la gadoue. Je suis enfoncé. Ouais, c'est déjà plus gros. C'est déjà plus gros ça. Hop là. Ah mais j'ai déconné parce que celle-là, elle a encore les ardillons. Elle a pris les trois triples. Génial. Franchement, écrasez vos ardillons quoi. Regardez ça quoi. Qu'est-ce que vous voulez quoi. Regardez, elle saigne. Ça c'est la faute aux ardillons. Je vais l'écraser direct. Bon, j'espère que elle va s'en sortir. Elle a l'air d'aller correctement. En fait, dans ma boîte, je n'ai que des leurres avec des ardillons écrasés, mais celle-ci, je l'ai trouvée au bord de l'eau et voilà. Je l'ai mis dans ma boîte et j'ai oublié d'écraser les ardillons. Et ça m'a vraiment pas frappé. Mais heureusement, ma pince qui ne coupe pas, ma pince, elle écrase. Et donc, on va le faire direct. Je ressors de l'eau. Quelle histoire. Ils sont même avec une épuisette ici. J'en ai dans le cul. Allez,
Heureusement que je pêche en 25 centièmes. Radio écrasé, hop là, décroché direct. Ouh, elle est belle, elle fait 30 cm au moins. Donc ça, ça fait 20. Ouais, elle fait un bon 35 cm. Voilà. Allez ma belle. Elle respire bien là, elle va repartir. Et elle est repartie. Bye bye. À la prochaine. Oh putain, il y en a une. Il y en a une là. Elle est cachée dans. Putain, pour y aller. Oh putain. Oh, c'est une belle. Oui. Ah, oh, je sais de nouveau pas descendre. C'est un putain. Heureusement que j'ai vu. Putain, elle est belle. Elle a déjà des dents et tout. Putain, elle s'est fait dégommer sur le côté, je sais pas comment. Et c'est pas moi. Elle a un trou sur le côté. Putain, regardez-moi ça, comment elle est belle. Magnifique. Magnifique. Je vais te mettre à l'eau. Hop là. Ah voilà, on y est. Regarde ça, tu vas retourner dans l'eau. Hop là. Putain, elle a des petites bosses, des beaux morceaux aussi. Allez. À la prochaine. Hop là, elle est repartie. Et elle navigue. Comme quoi, même dans les crasses, il y a des truites. On me l'avait dit et j'avais jamais essayé, mais ce coin est juste magique. C'est magnifique, il n'y a personne et il y a du fish. Et j'ai perdu ma canne. Où est ma canne? Ça, c'est plus ennuyant, ça. Où est-ce que j'ai mis ma canne? Ah, ah. Ma canne est là. Ah, ma canne. Ouh, ma canne. Je viens d'avoir une petite attaque, mais c'était un petit bazar. Petit bazar. T'as aimé la vidéo et tu veux être au courant des prochaines? Alors clique sur j'aime et abonne-toi.